On est en train d'essayer d'entretenir des graines. Je ne sais pas si vous connaissez Cocopelli, cette association qui essaye de... Voilà, c'est des graines de savoir qui sont quand même menacées. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise, j'en parlerai un peu plus tard, il y a eu une révolution culturelle en Chine et cette médecine a disparu pendant un temps. Et la médecine chinoise relookée qu'on a aujourd'hui en Chine, elle est quand même à la base occidentale. Donc, ça fait drôle d'être invité en Chine et d'avoir des Chinois qui nous demandent c'est quoi le qi, mais c'est comme ça. Donc il faut être conscient aussi que il y a des images d'Épinal. Des fois on se dit ah ben la personne est chinoise donc elle doit forcément connaître tous les secrets de l'Orient, mais non, c'est pas comme ça que ça marche évidemment. C'est ce que j'ai dit aux Chinois. Moi je suis français. Si vous demandez d'ouvrir un restaurant là-bas, vous n'allez pas être déçu quoi. C'est pas un héritage, ça s'apprend. Et vous allez voir à travers l'observation, les lois qui en découlent. Et les validations de ces lois à travers l'expérimentation sur des siècles, que quand même, si ça tenait pas debout, ça serait pas là, quoi. Donc, il faut pas qu'on lâche ces petites graines, parce qu'à mon avis, c'est des graines d'avenir. Et en matière de santé, il y en a vachement besoin en ce moment.